Papy, mamie, l'heure est grave. L'heure est grave, le ciel se couvre, comme en Belgique, car il est venu pour moi le temps de quitter le niveau 83 et de plonger dans le niveau 84. Vous pouvez voir que j'ai presque 515 000 points d'expérience et il m'en faut 520 000 pour passer au niveau suivant. Voici ce qu'il me réserve à moi le vin. Ou plutôt le raisin. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez quelle musique écoutent les raisins? C'est le grappe, les amis, ça commence fort. De quoi fabriquer du jus de raisin, défaut de vin, et une espèce de salade bizarre pour l'été, une salade estivale et 10 diamants supplémentaires. Alors, il nous faut atteindre les 520 000 points d'expérience et on va commencer tout de suite en nourrissant les animaux de compagnie. Quand vous les nourrissez, vous obtenez des points d'expérience et des objets rares autour des chats. Oh, il y a une petite grenouille dans leur bol. C'est pas sûr qu'ils la mangent. Les chats sont réveillés autour des chatons. Ah, il n'y a plus de lait pour les chatons. Ça, c'est vache, ça. Allez, on va aller nourrir les vaches. Ça rapporte des points d'expérience aussi. C'est 3 points par vache. Et d'ailleurs, les amis, j'en ai une autre pour vous sur les Belges. Un Belge est mort en buvant du lait. Comment est-ce possible? Eh ben, parce que la vache est assise dessus. Oui, bas niveau, je sais, bas niveau, faut réfléchir un peu quand même, moi je l'ai pas compris tout de suite. Voilà. Au moins ça concerne les Belges pour une fois. Allez, on va nourrir les cochons, ils étaient bien gros, bien grands, on les a fait mincir un peu. Allez, on va retourner voir les chatons, on va les nourrir, ils vont se réveiller, il y a mon tout nouveau chaton qui va nous faire les yeux de Shrek. Oh, c'est hyper mignon, ça y est, il est fait. Et on va passer aux récoltes, ça aussi ça rapporte de l'expérience, et alors plus c'est des cultures longues à pousser, plus vous obtenez des points d'expérience, bah évidemment il faut attendre un peu plus, donc si vous êtes pressé, vous pouvez faucher que du blé, mais alors il faut le récolter assez souvent parce que ça ne donne qu'un point d'expérience pour le blé. Autour des carottes, les carottes c'est déjà un peu mieux, c'est 2 points d'expérience. On va passer au piment, chez moi tout est bien organisé, hein, tout à sa place, le piment c'est 7 points d'expérience, ça évolue, c'est déjà pas mal. Et alors vous allez voir les oignons, c'est assez loin poussé, ça prend 5 heures. Et déjà, c'est 8 points d'expérience, ça évolue. L'indigo, ça doit pas être terrible. Je regarde, oui, c'est 5 points d'expérience. C'est pas terrible, c'est déjà une culture un peu plus rapide, seulement 2 heures. Les tomates, c'est 8 points d'expérience aussi, c'est bon à savoir. Hein. Bah, la nuit, avant de dormir, vous pouvez planter des cultures longues, comme les tomates ou les fraises, par exemple. Ça rapporte bien. 3 points pour le riz. La salade, c'est 7 points d'expérience aussi, comme le piment. Et les patates, c'est 7 points d'expérience. Les fraises, c'est la culture la plus longue du jeu, tout niveau confondu, ça rapporte quand même 10 points d'expérience par fraise, c'est pas mal. Les fameuses feuilles de thé à 9 points d'expérience, les feuilles de thé qui ne se fument pas, hein. On l'a assez répété à mauvaise image. Allez, c'est parti, on va terminer de nourrir les animaux, c'est parti pour les chevaux, je commence à avoir une belle écurie. Et les ânes aussi, qui font toujours une drôle de tête, c'est pas mieux quand ils sont réveillés, un boulon, un ruban, un deuxième boulon, il y a pas mal de chevaux comme j'ai dit. Autour des pimpins avec mon petit lapin noir qui était apparu il y a quelques mois dans le jeu pour un piquet. Et on continue de nourrir les animaux de la ferme. C'est parti pour les poupoules. Et là les amis, petit plantage du logiciel qui me sert à filmer. Il devait couver quelque chose, il est passé du coq à l'âne. Ah là là, ça y est, il est réveillé. Alors on va passer aux machines, pensez à récupérer vos produits si vous cherchez à gagner de l'expérience pour atteindre le niveau suivant, parce qu'à chaque fois vous gagnez des points d'expérience, une vingtaine, une trentaine, bah ça dépend encore du temps de fabrication. On récupère les gâteaux, autour des muffins, il y a de la mûre et il y a de la framboise, vous voyez qu'à chaque fois c'est différent, c'est 17 ou 27 points d'expérience, ça dépend du temps de fabrication. On va récolter le blé qui est prêt. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend, comme dirait Raven. Il est temps de faire mon bateau. Alors si vous cherchez à gagner de l'expérience, eh bien faites les livraisons camion et bateau, parce que ça vous rapportera moins de pièces, mais de l'expérience. Et parfois quand même beaucoup d'expérience. Là c'est 256 points par caisse pour les jus de pommes. On va regarder pour les piments, 143 points d'expérience par caisse. Et on va regarder pour les pop-corn au beurre, ça je pense que j'en aurai pas assez, c'est quand même 310 points d'expérience par caisse, bon, bah, allez, je vais garder les derniers que j'ai, je vais quand même mettre 2 aides, allez, je vais faire participer les autres. On va mettre une petite pub, allez, qu'est-ce que je vais choisir? L'indigo, en principe c'est assez long à partir, hop, on met prix maximum, on laisse cocher la pub et c'est parti. Alors en attendant, on va continuer de ramasser les produits sur les machines, nom d'un petit bonhomme. En mousse, il me faut de l'expérience pour atteindre ce niveau 84. Hop, 15 points pour le jus, 65 points pour le smoothie, 41 points
pour la glace au chocolat. On récupère tout ce qui sort du saucier, les pâtes. Hop, ça c'est rapide à faire. 5 points d'expérience. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Les tissus en coton, c'est quand même 13 points d'expérience à chaque fois. En plus, ça va assez vite. Ça prend une vingtaine de minutes sur une machine avec la maîtrise. Robe, couverture, la soupe qui traînait. Et bon, on a déjà fait un peu le tour. J'ai vu qu'il y avait encore deux cafés, un sushi. Je vais déjà aller voir où en est mon bateau. Et il est rempli, les voisins m'ont aidé. Ils sont vraiment taqués. Ils dégainent les produits plus vite que leur ombre. Merci Vincent, merci Philly. Et mon bateau est prêt à partir. Le bateau de Lady est prêt à naviguer à travers les flots. Au revoir, petit bateau, j'ai récupéré ma pièce de puzzle. Non seulement c'était un bateau derby, mais en plus un bateau puzzle. Et on va maintenant passer aux livraisons de camions pour gagner encore plus d'expérience. Alors, ça rapporte moins de pièces, mais vous pouvez voir que sur cette commande, je vais pouvoir gagner 1034 points d'expérience. C'est énorme. Allez, c'est parti, camion, sois prudent sur la route, ramène-nous plein d'expérience. Surtout que je suis déjà à 519 963 points d'expérience. Il m'en faut 520 000. Allez, on fauche le blé. Bon, ça rapporte qu'un point d'expérience. Qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce que je peux faire? Il manque plus rien. Il ne manque que quelques points. Une tomate au four, du barbecue. J'ai encore quelques sucres à récolter. Et oui, ça y est, je suis passée au niveau 84. GG, Lady. Plein de nouvelles choses à découvrir. Du vin, le plus important. Je vais pouvoir me faire plaisir, planter des raisins, faire du jus de raisin, faire ma petite salade. Et surtout, c'est toujours 10 diamants de gagner. C'est une nouvelle page de l'aventure Aïdé qui s'ouvre et j'ai gagné un niveau d'expérience, je suis donc plus sage, ou pas. Alors parmi ce que j'ai gagné comme nouveauté, il y a la fameuse salade toute bizarre, toute colorée, la salade estivale. Je suppose donc qu'elle se fabrique dans le comptoir à salade. Et oui, gagnée, elle est dans la deuxième page. On va voir ce qu'il faut pour la fabriquer, un fromage de chèvre, de la pêche, c'est bizarre. Et des oignons, fromage de chèvre, pêche, oignons, tomates. C'est quand même étrange, hein, des fois les ingrédients sur Aïdé. Alors je veux planter mon raisin, mais j'ai plus de place, du coup j'ai tout récolté. Et ben on va le mettre à la place du maïs, c'est pas grave. De toute façon j'ai que 3 pauvres petits plants à planter. En plus ça prend 3 heures quand même à mûrir, donc je vais essayer de mobiliser un peu les voisins hein, pour me faire un petit peu plus de stock. Je vais faire une demande dans la petite boîte de voisinage. J'ai des voisins généreux, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Je vais mobiliser les gros niveaux. Hop, c'est parti, on demande 10 raisins supplémentaires, je pourrais quand même en faire plus rapidement quelque chose. Et en attendant, eh bien je vais voir, oui mon camion est revenu. Mon pauvre petit camion qui du coup n'a pas servi à grand chose parce que j'ai pas eu besoin des 1000 points d'expérience, je n'ai pas eu la patience d'attendre. Alors le jus de raisin, évidemment je n'ai pas assez de raisins pour le produire, ce sera pour la suite, il faudra patienter un peu. Alors on n'a pas encore rempli ma demande de voisinage mais ça ne saurait tarder. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire un peu ce que vous pensez de cette vidéo, pour suivre l'évolution de ma ferme, de mes aventures. Prochaine étape, le million, les amis. Vous pouvez voir que j'ai 937 323 pièces, précisément. Bientôt une vidéo pour atteindre le million et l'achat de choses de luxe comme un tracteur et des statues de luxe sur Aïdé. N'hésitez pas à commenter ce que vous aimeriez voir comme vidéo par la suite. En tout cas, la vidéo sur le million arrivera bientôt. Et ma demande a été remplie. Merci les voisins, vous êtes vraiment très généreux. GG les Papy Farmers, au top. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très très vite pour la suite de l'aventure.